Vous êtes en train de vous demander pourquoi je fais une vidéo comme ça. C'est parce que je vais choisir 5 jeux Switch pour mon voyage en train. Pour la JapanCom de samedi. Je vous dis top générique, à tout de suite après les images du jour. Et désolé si je ne mets pas une vidéo spéciale Halloween. Voici après l'intro, je referai par exemple le montage de la vidéo, par exemple celui de la vidéo précédente où que je teste l'expérience OBS avec la lecture à distance PlayStation 4. Comme ça, je vous dirai au cas où si ça remarche ou pas. Comme ça, je referai une vidéo spéciale Halloween l'année prochaine. Tout d'abord, on va choisir 5 jeux Switch pour mon voyage en train. Comme ça, je vais faire une petite présentation sur mes full set Switch 3.0. Mario et les lapins crétins, Kingdom Battle, ça je le prends pas pour mon voyage. Nous avons Crash Team Racing Nitro Fueled, comme je le squatte plus sur la PS4 que sur la Switch, donc je vais prendre celui-là pour mon voyage. Nous avons un nouveau jeu Switch, par exemple l'Âge de glace, la folle aventure de Scrat, donc je vais le prendre pour le tester. J'ai même Marvel Ultimate Alliance The Black Order, le troisième opus, qui est sorti uniquement sur la Switch. Je vais bien le retester à nouveau comme je l'ai testé un petit peu. Ça, c'est mon troisième jeu. J'ai même le Fire Emblem Warriors. Là, je vais quand même voir si je peux le tester dans le train, mais avec un petit casque au cas où, si jamais si je veux pas faire du bruit pour les autres voyageurs. Mais là, je le prends pas avec moi. Le Hyrule Warriors Definitive Edition, comme je le possède sur la 3DS, j'ai pu jouer un petit peu sur la 3DS, mais là, je vais peut-être le jouer dans le train au cas où. Ça, c'est mon quatrième jeu. Voilà. Nous avons par exemple Super Dragon Ball Heroes World Mission, un jeu de Dragon Ball avec des jeux de cartes et tout le bazar. Ça, je ne vais pas le prendre parce que si jamais, si on me fait, si je prends par mes gares et après hop, il n'est plus là. Nous avons Pokémon Let's Go Evoli. Vu que Pokémon Épée et Bouclier vont sortir, j'ai pu squatter un petit peu, mais là, j'ai pas le temps de jouer plus. J'ai même la version Let's Go Pikachu, voilà, qui est encore neuf sous blister. J'ai par exemple Star Wars Pinball, voilà, un jeu de flipper à la licence Star Wars, ça, je n'ai jamais testé, il est encore neuf sous blister. Nous avons par exemple Xenoblade Chronicles 2 sur la Switch. Je l'ai un peu testé et je n'ai pas tout joué en un coup. Voilà. Donc, je suis qu'au début du jeu. Puis nous avons Diablo 3 Eternal Collection. Là qui a par exemple le Ganondorf exclusif. Au cas où. Je ne sais pas si c'est avec l'Amiibo ou un contenu additionnel. Si je me trompe, dites-moi ça dans l'espace des commentaires. Puis nous avons encore d'autres jeux sous blister comme par exemple The Legend of Zelda The Link Awakens sur la Switch. Je ne l'ai pas encore testé, il est encore neuf sous blister, donc je ne vais pas le tester pour aller en train. Puis il y a Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution avec trois cartes exclusives qui est encore neuf sous blister. Je ne l'ai pas encore testé, donc je préfère le garder sous blister au cas où. Le Super Mario Maker 2, là, je ne l'ai pas encore testé non plus, il est encore neuf sous blister. C'est tiré du premier opus.
qui est tiré sur la Wii U. Mais en fait, je préfère plus les jeux classiques plutôt que ce jeu-là. Si jamais, si ça m'énerve ou pas, dites-moi ça dans l'espace des commentaires. Il y a encore du très très lourd. Et tout le bazar. Nous avons par exemple Astral Chain, qui est sorti le même jour que mon anniversaire, le 30 août. Comme j'ai eu 29 ans ce jour-là. Nous avons Fire Emblem Trials, qui est un excellent jeu, mais là, je ne l'ai pas encore testé, ils sont encore neufs sous blister. Le God Eater 3, je ne l'ai pas encore testé, mais là, ça ressemble plus à un jeu à la Dark Souls ou quelque chose comme ça. Mais bon, si je me trompe, dites-moi ça dans l'espace des commentaires. Yoshi Craft and World, qui est encore neuf sous blister, un jeu de plateforme qui fait office de tout bon Yoshi, mais qui n'est pas un bon Yoshi. Si je me trompe, dites-moi ça dans l'espace des commentaires pour celui-là aussi. Et donc, nous avons par exemple le Splatoon 2, qui est tiré du premier opus sur la Wii U. Mario Tennis Aces, qui est un jeu auquel que j'ai joué, et en fait que j'ai eu avec ma Switch. Sushi Strikers The Way of Sushido, voilà, pas encore testé. One Piece Unlimited World Deluxe Red, voilà. Ça j'ai pas un peu joué, mais là, j'adore les jeux de One Piece et Dragon Ball. Puis nous avons Pokémon Tournament Deluxe sur Switch. Le Kirby Star Allies, qui est le meilleur des Kirby de tous les temps. Voilà. On va commencer d'abord par deux jeux japonais que j'ai vu trouver en convention. Le Rockman, par exemple, Anniversary Collection X. Ou Megaman en français, le 1 et le 2. En japonais, ça je les prends pas. Et tout le monde va te dire par exemple, mais qu'est-ce que tu fais avec un Just Dance 2019? Si vous voulez savoir, j'ai pris celui-là pour faire danser ma soeur et ma petite cousine. Mais là, aucun intérêt que moi j'aime bien les jeux de danse. Mais là, je ne joue jamais à des jeux de danse comme celui-là. Dragon Quest Builders. Celui-ci qui est un excellent jeu de construction à la Minecraft. Puis nous avons Tales of Vesperia Definitive Edition. Je l'ai un peu joué, mais je l'ai un peu laissé de côté. Labyrinth of Refrain, Cover of Dust. Celui-ci, j'ai un peu joué au début, mais je ne l'ai pas encore essayé tout ça. Bendy and the Ink Machine, pas encore testé, trouvé à la Pixel D. Ça vient de mes deux collectors, le Super Mario Party et le Super Smash Bros. Ultimate. Voilà. Le SNK 40e anniversaire. Voilà. Et le dernier jeu qui est en fait une licence de chez Sega, Sonic Mania Plus, auquel que j'ai fait un challenge sur la version PS4. Voilà. Et maintenant, je sais quel jeu que je vais choisir, par exemple, pour mon voyage en train. Peut-être que je pourrais prendre un Smash Bros. Non. Je pourrais peut-être prendre un Sonic Mania. Comme ça. Je pourrais peut-être rejouer à des jeux de plateforme de Sonic comme à l'époque. Voilà. J'ai choisi 5 jeux pour jouer dans le train. Voilà. Et donc, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.